Alors on prend une soie de montage beige. Et on vient jusqu'à l'arrière. Alors une fois qu'on a fait ça, on continue à faire un peu le corps avec ce qu'on a eu. Ouais, avec le faisan, je fais un peu le corps avec. Ouais, à peu près à 7-8 mm. On va la mettre en stand-by. C'est le CEA qui paye. Et on la met en stand-by, la plume là, derrière, en attente. Donc on vient derrière. Là, on va faire le corps. Avec ça. Plus le coq en plus. Ouais, le coq qui vient par dessus. Oui, oui. Mais. Ah oui, ça tient bien. Ça coule pas trop. Cette année, quand on était avec Patrice, on a pêché la Rimeuse, donc c'est la Rimeuse est une rivière de près. Alors là, on récupère notre plume et on monte. Voilà, c'est tout simple, c'est pas compliqué. Ah oui, déjà, c'est pas mal. Déjà, le pêche. Voilà. Là, il va falloir qu'on prenne... Ouais. Une fois que tu as posé ton... Tu enroules ton hack, là. Et tu vas jusqu'au bout. Après, on va faire le visualiseur. On va prendre deux plumes de CDC, de cul de canard. Qu'elle s'écarte, d'accord. Et on va prendre vraiment... On va écarter... pour ne mettre que la longueur. Et la longueur, après, on va la recouper. Parce que si on est trop long, on le recoupe, d'accord? Donc, on vient se mettre devant. Et c'est indicateur. Tu peux mettre du marabout, éventuellement. Ouais, mais ça coule. Ça prend l'eau. Ça va prendre la flotte. Deux. Et tu vois, moi, elle est beaucoup trop longue, donc derrière, tu recoupes. Voilà, le but du
jeu, c'est qu'elle soit, que ça fasse juste indicateur. Parce qu'après, quand tu vas monter, c'est presque un 7, je... Voilà. Et la partie technique, elle est là. Je mets ça en attente, comme ça, ça ne me la referme pas. Et je fais ma touffe. Alors la touffe, il ne faut pas hésiter à aller à l'endroit où c'est un peu long. Si tu les prends trop près, là, ça ne va pas, ça fait pas une belle collerette. D'accord ? Donc, il faut venir chercher à la partie haute. Alors, pourquoi spécialement ? Oui, d'abord, je le mets dans mon fil. Après, tu le répares. Je le ferme. Et après, je l'étire. D'accord ? D'accord ? Voilà. Et là, même, moi, je retaille un peu là. C'est pas simple à faire. Hein. Voilà. Et là, on le twist. Qui est prêt. Là, on va tourner tout en ramenant, comme on fait d'habitude, en arrière. Oui, tu enroules vers la vanne. Je enroule de l'arrière vers la vanne. Je ne mettrai pas tout. Et si tu en as trop, tu tires et tu en enlèves, d'accord ? Voilà. Et là, tu ramènes le plus possible vers l'arrière. Je touche l'œil à chaque fois. Après, c'est pas grave. Après, hein, tu restes pas à cette place. Mais on fait tous pareil. On tous pareil. Ça paraît énorme au départ. Et après, tu prends l'outil qui va bien. Après, je vais te montrer l'outil que j'ai. Donc là, je coupe un peu. Moi j'ai l'appareil. J'ai acheté ça, ça vaut 10 balles. Et ça tu appuies là, et là tu brûles. Ça, ça c'est pas mal ça. Tu fais les oreilles, le nez et tout avec ça. Il faut pas trembler. Oh. Tu vois? Sa femme, tu les piles avec ça, elle doit violer quelque chose. C'est déjà. Ça dépend. Comme la pyrogravure. On va assurer avec quand même un pot de colle. Ouais. Parce que sinon... Ouais, ça se défait pas mal. Je peux te dire, il faut pas avoir peur. Et en fait, si tu veux, moi, le fait d'aller avec un guide là, avec nos amis, me toucher tout le monde. Commencer par les grosses mouches. Ouais, tu serais toujours en train de descendre. Le poisson qui devient éduqué maintenant, il devient difficile. Mais même, moi j'aurais jamais mis ça pour pêcher, hein, c'est pas ça. Là au Québec, ça fait des années. Ça dans l'eau d'abord, tu le vois. Ah ouais, tu t'es pas le lion.